Bonsoir à vous et bienvenue pour votre émission Master Maurice de ce soir. En espérant que vous êtes la journée bien passée, si ce n'est pas le cas, installez-vous confortablement devant votre télévision, YouTube Télé+, Facebook Defimedia.info. Si vous passez à table en ce moment, bon appétit. Et là, on ne pourra pas participer dans l'émission Master Maurice, Your Quiz Show. À la maison, chez vous, aux réponses, en commentaire. Et nous trois candidats qui pourront affronter ici sur le plateau. Merci à nos sponsors. C'est grâce à eux qui nous l'a. Nos main sponsors, GPO Limited. Et là, nous en plein GPO. Oui, combien d'employés GPO. Et affronte eux en eux même pour venir un monster. Un grand monster même, nous capables de dire. Et là, laisse-nous un nos candidats qui dans le salon bien confortable. Et là, les amis, laisse-nous accueillir nos premiers candidats, et c'est Vachiche. Bonsoir, Vachiche. Qui manière ? Ça va. Alors, Vachiche, GPO Limited. Oui. Dans qui filière ? Comptabilité française. Comptabilité française. Oui. Alors, Vachiche, pour le jeu, il simple. Vous écoutez bien ma question. Oui. Vous pouvez avoir 60 secondes chrono, 1 minute chrono. 10 questions. Chaque fois qu'il me pose une question, si ou de moi, la bonne réponse, moi, Boudjaou, c'est une mauvaise réponse, moi, Boudjaou, c'est pas qu'on est déjà passe. Ne pas pour réviser nos bonnes questions. Okay. C'est bon? Oui. C'est bon chez vous, les amis? Les autres réponses en commentaire. Let's go. How many time zones are there in mainland USA? Passe. Quel auteur français a écrit principalement des fables entre 1621 et 1695. Passe. Avant d'entamer sa carrière solo, Beyoncé avait été membre de quel groupe américain en 1997 ? Passe. Qui est le nouveau Premier ministre d'origine indienne du Royaume-Uni depuis octobre 2022 ? Passe. Qui a légué son immense fortune pour la création du prix Nobel ? Passe. Comment s'appelle cette coiffure où les cheveux sont rassemblés ensemble à l'arrière et tenus par un lien? Ponytail. Quel acteur bollywoodien est surnommé Big B? Samantha. Combien d'années d'anniversaire a récemment célébré Big B? 57. Quelle noce célèbre-t-on à l'occasion de ses 5 ans de mariage? C'est terminé. C'est terminé. Alors, Vachiche, pas si évident que ça, ma question finalement. Oui. Et c'est tracé, côté Bollywood, même côté coiffure, nous checkons, c'est une bonne réponse. Mais là, laisse-moi qu'il y ait un deuxième candidat, c'est une candidate, et c'est Alexis. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Ça va ? Oui, bien, merci. Alexis, de quel endroit ? De Beaubassin. De Beaubassin. Alexis, GPO Limited, oui. C'est GPO Week. Et dans quelle filière ? Dans l'audit. Dans l'audit. Auditrice. Comptable. Alors, une minute chrono. Ça va aller super vite. D'accord. Et Konja ou les temps, 10 questions. Quand pas connaît, déjà passe. D'accord. Nous pas pour réviser nos bonnes questions. C'est bon ? Oui. On y va. Première question. How many time zones are there in mainland USA? 24. Quel auteur français a écrit principalement des fables entre 1621 et 1695? Molière. Avant d'entamer sa carrière solo, Beyoncé était membre de quel groupe américain en 1997? Destiny's Child. Qui est le nouveau premier ministre d'origine indienne du Royaume-Uni depuis octobre 2022? Passe. Qui a légué son immense fortune pour la création du prix Nobel? Passe. Comment s'appelle cette coiffure où les cheveux sont rassemblés ensemble à l'arrière et tenus par un lien? Un cheval. Quel acteur bollywoodien est surnommé Big B? Salman Khan. Combien d'années d'anniversaire a récemment célébré Big B? Passe. Quelle noce célèbre-t-on à l'occasion de ses 5 ans de mariage? D'argent. Comment s'appelle cette solution qu'on utilise pour baigner les dents
Les gencives et les muqueuses de la bouche. Dentifrice. C'est terminé. C'est le gong, en plus. Nous capables d'accepter la réponse. Oui. Est-ce que c'est une bonne réponse? On vous connaît. Un petit moment. Mais là, les amis, après Alexis, laisse-nous accueillir Sanji. Sanjit, bonsoir. Qui manière? Bien. Alors, Sanjit, moi, ça qui me comprend avec mon camarade qui vient faire un petit détour de studio, on avait dit un robot? Confirme-moi, Sanjit. Non, on a une cause manger avec vous. Ah, je vous confirme ça. Alors, Sanjit, GPO Limited, qui filière? HR. HR. Waouh, Human Resource. Donc, ça veut dire que tu m'as un contrat passe de où la main? Non, pas avec vous. Pas où? Au côté formation. Ah, au côté formation. Oui. C'est très bien. Très, très bien. Vous espérez un jour où ça pourrait poser vos épaules. Espérons. Ah, super. Dis bon, vous avez une bonne ambition comme ça. Alors, Sanjit, 10 questions, 1 minute chrono. Quand pas connaît, qui nous dit passe. Très bien. Pareil. Allez. Let's go. How many time zones are there in mainland USA? 3. Et quel auteur français a écrit principalement des fables entre 1621 et 1695? Passe. Avant d'entamer sa carrière solo, Beyoncé était membre de quel groupe américain en 1997? Passe. Qui est le nouveau premier ministre d'origine indienne du Royaume-Uni depuis octobre 2022? Rishi Sunak. Et qui a légué son immense fortune pour la création du prix Nobel? Passe. Comment s'appelle cette coiffure où les cheveux sont rassemblés ensemble à l'arrière et tenus par un lien? Que tu vas? Quel acteur bollywoodien est surnommé Big B? Amitabh Bachchan. Combien d'années d'anniversaire a récemment célébré Big B? 90. Quelle noce célèbre-t-on à l'occasion de ses 5 ans de mariage? Passe. Comment s'appelle cette solution qu'on utilise pour baigner les dents, les gencives et les muqueuses de la bouche? Ma foi. C'est terminé. Discussion finie posée. Alors, Vachish, Alexis, Sanjit, vous êtes là, vous allez répondre à vos 10 questions. Nous décortiquons ça ensemble. Déjà, avant qu'ils me décortiquent, Vachiche, facile ou difficile? C'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Révisant mon vini, non? Non, du tout. Alexis? Tricky. Tricky. Tricky, ah, un joli mot. Sanjit? Il y a une question, one question, répondre. Vous connaissez? Vous connaissez, c'est bon. Nous vous checkons ensemble? How many time zones are there in mainland USA? Où combien un diamant? 24, je crois. 24, un diamant. Je ne sais pas de ma réponse. Sanjit, un diamant. Ouais. C'est 4. C'est 4. On a un ticket loin, Alexis. Quel auteur français a écrit principalement des fables entre 1621 et 1695? Jean de La Fontaine. Avant d'entamer sa carrière solo, Beyoncé était membre de quel groupe américain? 1997, Alexis. Bonne réponse. Qui est le nouveau premier ministre d'origine indienne du Royaume-Uni depuis octobre 2022? Rishi. Rishi Sunak. Oui, c'est la bonne réponse. Qui a légué son immense fortune pour la création du prix Nobel? Non, pas me connaît. Alfred Bernard Nobel. Okay. Ok. Comment s'appelle cette coiffure où les cheveux sont rassemblés ensemble à l'arrière et tenus par un lien? Cheval. Que le cheval ou un diamant? Ponytail. Non, acceptez-le, bien sûr. Quel acteur bollywoodien est surnommé Big B? Idris Salmankan. Un diamant Salmankan. Ici, je crois. Oui, c'est un diamant Salmankan. La réponse est Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Combien d'années d'anniversaire a récemment célébré Big B? On a roulé l'anniversaire Salman Khan au moins. N'est-ce pas? Oui. C'est 80 ans. 80 ans. Quelle noce célèbre-t-on à l'occasion de ses 5 ans de mariage? Noce de bois. Ouais. Tu demandes la réponse? Non. Ah, c'était là qu'il est venu. Ok. Comment s'appelle cette solution qu'on utilise pour baigner les dents, les gencives et les muqueuses de la bouche? Dentifrice. C'est pas dentifrice. Mouthwash. Le bain de bouche. Alors les amis, le premier manche prend fin ici.
Après la pause pub, nous vous disons qui s'en a qui peut mener dans le jeu, qui s'en a qui vous choisit ce thème, qui ban thème nous pouvons non, pas bouser. Est-ce qu'ils vont oublier les autres? Ah bon? Les affaires de retour. Qui est-ce? Ça vous risque dans la timox? Normal. Qui? T'es pas entendu? Non. Tu veux sélecteur. Est-ce qu'il faut te lever retourner? Je suis Perodli, est-ce qu'il n'écoute? Hey, je suis Petani et l'une retourne. Original côté le PPSC. Tout le monde riche pour mes essayer. Ouais, ouais, le côté côté le. Mais Yegula, c'est que du bon tour. Est-ce qu'il faut le? Le retour du comeback pour mettre un peu plus couler à notre live. Est-ce qu'il couler à nos îles? Journée porte ouverte à EVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez EVEC. 433-9800. Wow! Avec Canal+, on peut finir émerveillé. Programme d'une balle toute longue l'année. Cinéma ultra récent. Top série. Plus grand championnat, tout ça là, c'est Ziz avec Canal+. Pro Canal+, achetez la main pour Ziz 250 roupies par mois pendant 3 mois. Ziz 250 roupies! Dégagez Vindo and Canal+ Store ou le canal+-maurice.com. Welcome back les amis, et avant qu'ils nous enchaînent nos deuxième manche, les points bien importants. Vachiche, 10 points, on applaudit. Bravo Vachiche. Applaudis vous-même, vous avez droit. Applaudis, vous faites vos efforts. Alexis, 20 points. Bravo Alexis. Et Sanjit dit le robot, 40 points. Sanjit est mené, 40. Alexis, 20. Vachiche, 10. Il n'a plus beaucoup de points, il faut choisir ce thème en premier. Il y en a 4 thèmes plus. Écoute ça. Capitale du monde. Chemistry. Les différents pins et monuments et sites historiques à Maurice. Je vais choisir la capitale du monde. Capitale du monde. Alors, Sandy, déjà voyagé? Ou jamais? Jamais. Mais vous essayez quand même. Allons voir. Ready? Première question. Quelle est la capitale de Cuba? Passe. La capitale du Cambodge? Passe. Caracas est la capitale de quel pays? Colombie. Damas est la capitale de quel pays? Ria. Quelle est la capitale de l'Équateur? Quito. Minsk est la capitale de quel pays? Bélarus. Et quelle est la capitale de la Roumanie? Bucarest. What is the capital of Morocco? Rabat. Vienna is the capital city of which country? Austria. Budapest is the capital city of which country? Hongrie. Ah, 10 questions. Posez facilement, parce que les capitales, il y a une belle phrase, il y a une longue question. Alors, quelle est la capitale de Cuba? La Havane. Quelle est la capitale du Cambodge? Non, Alexis, Vachiche, non. Phnom Penh. Enzoli base, hein. Enzoli, l'occasion de le visiter. Caracas, c'est la capitale de quel pays? Outidiano? Non.
Non, c'est Venezuela. Damas. Oui. Hein. La Syrie, très bien. Oui. Quelle est la capitale de l'Équateur? Quito. Quito, oui, c'est ça. Exact. Minsk est la capitale de quel pays? Biélorussie, très bien. La capitale de la Roumanie? Arès. Bucarest. Pourquoi vous répétez son bon, hein? What is the capital of Morocco? Maroc. Rabat. Oui. Vienna is the capital city of which country? Yeah. Oui. Budapest is the capital city of which country? Hongrie. La Hongrie. Wouh! Tu vous facile pour vous, Vachiche? Non, Alexis? On aurait pu essayer. On aurait pu essayer. Mais en tout cas, vu qu'il tient dans la main en premier, il tend ce sens. Ouais. À vous, Alexis. Chemistry, les différents pains du monde ou monuments, sites historiques à Maurice? Les différents? Pains du monde. On va prendre celui-là. Ah, les différents pains du monde. Et où qui dit pain au manger la case? Maison. Du pain maison. Du beurre, fromage, lasde, du beurre pistache. Bon, Richard. Mm-hmm. Ready, Alexis? Oui. On y va. Quelle pâtisserie marquée d'une croix est distribuée à l'occasion d'une première communion? Brioche. Quel pain mince et allongé d'origine française est très consommé à Maurice? Baguette. Quelle pâte à pain aplati garnie de tomates, d'olives et de la mozzarella cuit au four est originaire de Naples? Oui. Quel est ce petit produit alimentaire plat, généralement croquant et sucré, qui accompagne très souvent le thé? Biscotte. Comment s'appelle le pain fin indien dont les morceaux sont utilisés pour envelopper, ramasser de différents mets? Paratha. Quel petit croustillant biscuit généralement salé et couramment consommé avec du fromage fondu ou du beurre? Passe. À Maurice, quelle galette est souvent consommée sucrée avec de la confiture ou salée avec du satini? Passe. Comment s'appelle ce produit boulanger rond, très consommé par les Britanniques comme partie d'un petit déjeuner ou le thé en début de soirée? Pain blanc. C'est terminé. C'est terminé, le pain blanc. Ok, ok, ok. On passe en revue. Ok. Quelle pâtisserie marquée d'une croix est distribuée à l'occasion d'une première communion? Brioche. Très bien. Quel pain mince et allongé d'origine française est très consommé à Maurice? Baguette. La baguette. Quelle pâte à pain aplati garnie de tomates, d'olives et de la mozzarella cuit au four est originaire de Naples? Kiyunjano, pas de pizza ou? Non, il dit c'est la pizza. Quel est ce petit produit alimentaire plat, généralement croquant et sucré, qui accompagne très souvent le thé? Biscuit, exactement. Comment s'appelle le pain fin indien dont les morceaux sont utilisés pour développer et ramasser des différents mets? C'est le naan. Chapati, roti, farata. Ok. Okay. Quel petit et croustillant biscuit généralement salé et couramment consommé avec du fromage fondu ou du beurre? Crackers. Mmh. Crackers. Maurice, quelle galette est souvent consommée sucrée avec de la confiture ou salée avec du satini? Mmh. Du pain frit? Non. Mmh. Angie? Crêpe? Non, pas biscotte. Avec satini? Crêpe. Ok. Crêpe, mmh. Tout simplement. Mais ce satini côté midi bien. Et puis, comment s'appelle ce produit boulanger rond, très consommé par les Britanniques comme partie d'un petit déjeuner ou le thé en début de soirée? C'est le muffin. Le muffin. Puis, tiens, des questions de Bangal, l'occasion posée. Pas grave. À vous, Vachiche. Chemistry au monument, site historique à Maurice. On va prendre le chemistry. Chemistry. On fait silence à l'école? Oui. Oui? Jusqu'à qui classe? Pompe 3. Pompe 3. D'accord, et là, on peut en tout sens. Si vous professez à chimie à l'école Pigetou, là, il peut dire allez, Vachiche. Ready? Yes. On y va. What element is represented by the chemical symbol H? Hydrogen. Helium is represented by which chemical symbol? H2O.
which chemical element is widely used in the making of batteries for electric cars and mobile devices? Diamonds, with its atoms arranged in a crystal structure, is a solid form of which chemical element? Carbon. What is chemical formula for carbon for carbonic acid? Pass. What is the French word for nitrogen? Nitrogen. Which chemical element has the atomic number 10? Pass. What element is represented by the chemical symbol Na? Nitric acid. Magnesium is represented by which chemical symbol? Pass. Quel métal est utilisé dans l'industrie aéronautique grâce à sa légèreté et sa bonne conductivité électrique et thermique? C'est terminé. C'est terminé. Vous tirez la réponse peut-être pour la dernière? Hélium. Hélium? Non, c'est pas hélium. Pas grave. Allez, nous passons en revue. What element is represented by the chemical symbol H? Qui c'est là qui ne fait chimie parmi les autres? Forme 3. Tout forme 3, alors. Donc, on dit à nous? Hydrogène. Hydrogène, c'est la bonne réponse. Très bien. Helium is represented by which chemical symbol? C'est H-I. H-E. Which chemical element is widely used in the making of batteries for electric cars and mobile devices? Sanjit? Lithium. Lithium. Diamonds with its atoms arranged in a crystal structure is a solid form of which chemical element? Carbon. Carbon, exact. What is chemical formula for carbonic acid? C'est H2CO3. H2CO3. What is the French word for nitrogen? Nitrogène. Nitrogène, tout simplement. Et peut-être ça l'est là, 40 en pièces, mais c'est azote ou nitrogène. Which chemical element has the atomic number 10? C'est néon. What element is represented by the chemical symbol Na? Nitric acid. Non, c'est sodium. Sodium. Magnesium is represented by which chemical symbol? Magnésium. Oui, exact, Alexis. Quel métal est très utilisé dans l'industrie aéronautique grâce à sa légèreté et sa bonne conductivité électrique et thermique? Oxygène? Hélium. Non, c'est pas hélium. Non. Aluminium. Aluminium. C'est aluminium, exactement. Donc voilà les amis, nous deuxième manche prend fin ici. Ban point, fini comptabilisé. Thomas Connet parle au final. Disney parmi ceux qui parlent au final, N candidat malheureusement qui quitte l'aventure de ce soir. Matchek ban point. Vachiche, 40 points. On applaudit, bravo Vachiche. Alexis, 50 points. Et Sanjit, 110 points. Oh, bravo, bravo, bravo. Vachiche, malheureusement. Mais c'est pas grave. Ce n'est qu'un jeu, vous venez participer, on try your best. Peut-être au début, 20 questions à partir en faveur. Donc là, thème, ou le dernier du monde choisi. Mais sinon, on va faire l'armée vide. Vachiche, Manonsou, une bonne nouvelle, vous verrez un pack de 6 esquis. 2,25 litres, c'est pour vous. Et alors, peut-être un petit coucou à la famille qui bégaye tout en ce moment, ben, le collègue même. C'est bon? C'est bon. Aussi, hein? Oui. Tout le monde qui va reconnecter, il salue les autres, au cas où après il y a au téléphone. Ben, Vachiche, merci beaucoup. Merci. Alexis et Sanjit, pas bouger. Dans quelques instants, la finale. Est-ce qu'ils vont oublier les autres? Ah bon? Les affaires de retour. Qui est-ce? Ça brise dans la timoque. Normal. T'es pas entendu? Non. Tu veux sélecteur? Est-ce qu'il faut te lever et retourner?
Je suis Perrot, li est-ce qu'il n'écoute. Je suis Patan, li est l'une retourne. Original, côté le PPS. Tout mon riche, un pour me t'essayer. Ouais, ouais, le, pas de poté le. Mais y'a goula, c'est que du bon tour. Est-ce qu'il poté le? Le retour du comeback pour mettre un peu plus couler notre live. Est-ce qu'il coule à nos îles? Journée porte ouverte à EVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez EVEC. 433-9800. Wow! Wow! Avec Canal Plus, on pas fini et émerveillé. Programme de bal toute longue l'année. Cinéma ultra récent. Top série. Plus grand championnat, tout ça là, c'est Ziz avec Canal Plus. Pro Canal Plus, assez la même pour Ziz, 250 roupies par mois, pendant 3 mois. Ziz, 250 roupies. Dégazez Vindo and Canal Plus Store ou l'eau canalplus-maurice.com. Les amis, on y va pour la finale entre Alexis et Sanjit. Félicitations à vous. Alors, Ziz pour rappeler 20 points, Alexis 50 points et Sanjit 110 points. Nous prenons 10 questions pour la finale. Encore toujours qu'à rattraper Alexis. Ok. Et Sanjit ou Swali qui apprend sur l'avance. Donc ça, c'est à eux de voir. La finale est bien simple. Quand vous posez une question, je criez pas ce prénom bien faux et je demande la réponse. Si c'est une mauvaise réponse, ta main passe à votre adversaire. C'est bon pour vous? Oui. No stress? Ça va. Ça va. Alexis, toujours souriante. Sanjit, un petit sourire à la caméra, nous guédengou? Yes. On y va, les amis. Quel très célèbre acteur a commencé comme chef et serveur en Thaïlande avant son début à Bollywood? Sanjit. Yes. Akshay Kumar. Bonne réponse, Sanjit. Akshay Kumar. Ah, ça commence bien pour Sanjit. Pas découragé, Alexis. Deuxième question. Quel masque permet de se rincer, laver les mains et le visage? Alexis. Alexis. J'ai la douche? Non. C'est à vous, Sanjit. Quel masque permet de se rincer, laver les mains et le visage? Du tout? Sûr ou passe? Passe. C'est Navabo, tout simplement. Après qu'une gueule, Alexis. Pas grave. Troisième question. Quelle est la langue officielle du Brésil? Alexis. Portugais. Bonne réponse, Alexis. Portugais. Quatrième. Quel ne célèbre-t-on à l'occasion de ses 32 ans de mariage? 32. Quel noce célèbre-t-on à l'occasion de ses 32 ans de mariage? Essayez pour voir qui bande de ceux te connaît. Alexis. Lui? Non, la main passe. Ah. Du tout? Du tout. Noce de cuivre. Okay. Noce de cuivre. Cinquième question. En Russie, écoutez bien, en Russie, quel nom portait Saint-Pétersbourg de 1924 à 1991? En Russie, quel nom portait Saint-Pétersbourg de 1924 à 1991? Essayez pour voir. Entre Alexis et Sanjit. Sanjit. Zénith. Non. Ça me passe. Qui tout double, soit ou tente un sens. Oh non? Non. Ou tu peux dire non? Si, hein? Ça veut dire donc. Non. C'est Leningrad. Je ne sais pas vous dire qui vous tu peux dire. Ok. Sixième question.
Quelle application et réseau social est un service de partage de photos et de vidéos fondé et lancé en octobre 2010 par l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger? Andy. Yes. WhatsApp? Non. Microsoft? Non, c'est Instagram. Mm. Instagram, réseau social, en tout cas par rapport à photos, vidéos, fondé en 2010. Septième question. Quel est le numéro atomique du carbone? Un chiffre. Quel est le numéro atomique du carbone? Alexis. Alexis. 3. Non, Alexis, c'est pas 3. Sanjit. 10. Non. C'est 6. C'est 6. Huitième question. À quelle date de l'année célèbre-t-on la journée internationale pour les personnes âgées? Quelle date de l'année célèbre-t-on la journée internationale pour les personnes âgées? Alexis, le 18 mai. 18 mai, non. Sanjit. 1er juin. Non, c'est le 1er même, mais c'est octobre. Et... le 1er octobre de chaque année. Neuvième. Et... comment appelle-t-on le signe du zodiaque Gémeaux en anglais? Comment appelle-t-on le signe du zodiaque Gémeaux en anglais? Pisces. Pardon? Pisces. Pisces? Non. Gémeaux. Sanjit. Et on fait autant d'un sens? Gémeaux. Non. Alexis, peut-être là, une réponse Ivini? Non. C'est Gemini. Gemini. Ou horoscope, Alexis? Balance. Balance, comme moi. Capricorne. Capricorne. C'est pour cela que je suis un Gémeaux. Bon, je comprends. Je découvre 17 horoscopes à cause de lui. Dixième et dernière question. Quelle est l'unité monétaire de la Fédération de la Russie? Sanjit. Sanjit. Rouble. Bonne réponse, Sanjit. Rouble, exactement. 10 questions finies posées. Et là, les amis, nous prenons le morceau de ce soir, comme d'habitude. Les points sont comptabilisés. Ils sont affichés au bas de l'écran, devant nos candidats. Qui s'en a qui pour nous morceau de ce soir? Alexis, doit de sourire. Sanjit, peut paraître plus stressé. Qui arrive-vous, Sanjit? L'aventure est bien passée pour vous? Ça va? Très content, bien. Satisfait? Et pour vous, Alexis? Ça va. Alexis, Lingoden, un petit accord, il va jouer avec ça quand il stresse, il dit que c'est une question là difficile. Nous morste de ce soir. Ladies and gentlemen, c'est Sanjit. Sanjit, 130 points et Alexis, 60 points. Bravo, bravo à vous. Alors, Alexis, c'est très bien 60 points. Oui. Pas suffisant pour battre Sanjit, mais pas grave. Peut-être là où on a envie de saluer peut-être la famille, les collègues, la compagnie même GPO Limited. Parce qu'ils me reconnaissent. Tout simplement. Et bon courage pour le boulot. Merci. Ok. Sanjit, donc tu es timide, timide. Finalement, où vient nous master de ce soir, nous réapplaudis Sanjit. Sanjit, 130 points. Sanjit, Brevini, master of the week. Là, que tu affrontes, bien sûr, ou ban collègue, qui pouvait nous ban adversaire. Mais juste avant, Alexis, ou papier la main vide. Mm-hmm. Dis bon, qui m'a dit où? On va remporter un pack de 6 esquis, 2,25 litres, plus une casquette. Canal Plus, c'est pour vous. Et Sanjit, mm-hmm. pour vous, c'est un pack de 6 esquis, 2,25 litres, un cool bag esqui, un t-shirt esqui et une casquette esqui. Merci. Voilà, ça c'est pour vous, on va bien la main vide. C'est ça, Télé Plus. Alors, donc, Sanjit, on retrouve vous très vite au Télé Plus. Révisez bien et pas oublier les amis, rendez-vous demain Master of the Week quand je vous retrouve Sanjit et il part pour tout seul, il pourra affronter Tushan, Yash et bien sûr il pourra affronter Sahil. Donc rendez-vous demain et surtout fini mettre un petit alarme au portable comme arrive l'air ou brancher le télévision ou Facebook pour capable apprécier sa finale là.
Oh.